Bonjour! Ça fait un méchant bail que je suis pas venue faire un live Facebook. Et là, je lance le défi 86. C'est quoi ça, le défi 86? Ben, c'est une folie, je pense. C'est parce qu'il reste 86 jours exactement avant un big party. Okay? Je fais un énorme party pour différentes occasions et principalement pour ma fête. Ouais. Même si ma fête, c'est le 4 octobre, ça va être le 27 septembre, parce que j'ai pas été capable d'avoir la salle pour le 4 octobre. Fait que ça va être le 27 septembre. Fait que le 27 septembre, j'ai fait vraiment un gros, gros, gros événement. Et pourquoi 86? Il reste 86 jours avant la date, mais parce que je vais avoir 53 ans. Et je vais également fêter mes 33 ans de mariage. Et pour ce faire, fait que 53 plus 33, ça fait 86. Fait que là, voilà. Voilà pourquoi le 86 et voilà pourquoi le défi 86. Ça veut dire que le défi 86, c'est essayer de faire une vidéo par jour pendant les 86 prochaines journées. Essayer d'avoir un sujet différent tous les jours. J'ai aucune idée de quoi je vais vous parler, mais je vais essayer de prendre un sujet du jour avec qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui en est. Je vais vous expliquer un peu à quoi ça résonne, ce party-là, parce que, moi, vous expliquer, OK? Moi, ma fête, quand j'étais jeune, ça n'a jamais été vraiment fêté, à part quand ma grand-mère était là. Et particulièrement pour mes 18 ans, hein, je l'attendais avec impatience, en tout cas parce que ma tante, où j'ai resté pendant 4 ans, fêtait ça d'une façon extraordinaire. Moi, je trouvais ça fantastique. Et le jour de mes 18 ans, ben, ma mère était pas là. Elle a oublié ma fête. Bon. Et puis, moi, je me suis dit, quand je vais avoir des enfants, je vais faire quelque chose de spécial pour leurs 18 ans. Mais là, c'est mon tour. C'est pas 18, c'est 5 plus 3, ça fait 8. Mais c'est mon tour. Là, j'ai décidé, cette année, je me paye la traite, je me fais un party, mais un méga party. Fait que je veux comme 200 personnes, un gros méga party. J'ai loué, je viens juste de louer la salle. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. C'est fait, j'ai réservé le cabaret C à Laval. Fait qu'on va avoir quelque chose de spécial. Et vu que, tu sais, 53, 33, ça va bien des trois. Fait que je lui ai dit, bon, on va faire ça pour trois événements différents. Fait qu'on va commencer par le lancement de livre de mon 9e livre, hein, parce que 33, 3 fois 3, ça fait 9. Fait que je vois, ouais, go, on y va avec ça. Le lancement de mon 9e livre que j'ai pas fait. Donc, je vais faire le lancement à ce moment-là, le 27 septembre. On va commencer la soirée avec ça. Ensuite, on va y aller avec une cérémonie tout à fait spéciale, autochtone, en tout cas de type autochtone, mais agencée à ma sauce, à moi, à ma couleur, à ma manière, parce que je suis autochtone et je veux renouveler mes vœux de mariage, mes 33 ans de mariage, mais de façon à la style autochtone. Fait que si vous voulez voir quelque chose de spécial, il va y avoir une cérémonie quand même assez particulière ce soir-là. Et va s'en suivre après le party où je veux, mais je veux vraiment avoir du plaisir, je veux avoir du fun, je veux lâcher mon fou, je veux faire un méga party, une soirée dansante où ça fait longtemps, tu sais, que je me suis pas défoncée à danser, là. Mais il va y avoir toutes sortes de musiques qu'on n'a pas l'habitude vraiment d'entendre. Moi, j'ai envie de danser, tu sais, sur du charleston, des valses, avoir des slow. Du rock'n'roll, du twist, en tout cas, toutes sortes. Tu sais, on partirait des années 20, là, puis on monterait tranquillement avec différents styles, puis différentes danses où on va bouger, où on va avoir du plaisir, où on va pouvoir s'amuser. En tout cas, je vous réserve des surprises aussi. En tout cas, tout ça pour vous dire que je vais avoir du fun. Et je vous invite. Je vous invite. J'ai rien fait encore, c'est pas préparé, j'ai juste réservé ma salle. Je commence dans vraiment la structure de tout ça. C'est beaucoup d'organisation. Il ne reste pas grand temps. Fait que je vais faire monter le genre de promotion, le pub, là, pour vous envoyer ça. Vous allez m'entendre parler beaucoup parce que je veux 200 personnes à ma fête. Je veux 200 personnes pour mon party. Je veux qu'on s'éclate. Je veux qu'on ait du fun. Profitez-en. En tout cas, si vous voulez venir passer une super soirée puis vous amuser, il va y avoir trois couleurs. C'est-à-dire que je vais vous demander de vous présenter habillé soit en blanc, en noir ou en rouge, ou le mélange de ces trois couleurs-là.
Parce que le thème de la soirée, ça va être ça. Vu qu'il y a trois événements, il va y avoir trois couleurs. Et fait que ça va être le noir, le blanc et le rouge. Fait que tout ça va rouler en l'entour de ça. Ça fait un bout que je pense à ça, que ça me tente. Mais là, je me lance. Je me dis, advienne que pourra, envoie go, on y va. Je vais avoir du fun. Je vais avoir du plaisir. Fait que je vais fêter ma fête pour une fois. Mais un méga party. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais fait ça. Le seul party que j'ai eu dans ma vie, c'est mon mariage quand j'avais 19 ans. Puis là, ben, je veux faire ça vraiment spécial. Je veux faire ça particulier. Je veux souligner ça. En tout cas, j'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez dire présent, que vous allez venir vous amuser avec moi. En tout cas, moi, je me promets bien d'avoir énormément, énormément de plaisir. Fait que je vais contacter certains d'entre vous parce que j'ai des petites idées de surprise pour vraiment en tout cas rire puis s'amuser puis s'éclater, je vous dirais là. Fait que ça se peut qu'il y a certains d'entre vous que je les appelle pour que vous participiez à certaines choses. J'ai pas contacté personne encore. C'est tout au début. Fait que voilà, ça c'est la folie du jour. C'est la première vidéo sur 86, sur mon défi 86. Donc 53 ans que je vais fêter et 33 ans de mariage et un 9e livre. Fait qu'on va faire, on va fêter tout ça en grande en même temps, le 27 septembre. Vous allez avoir les détails très très bientôt. Je vais mettre ça sur papier, je vous envoie ça bientôt. Fait que sur ce, moi je vous souhaite une super de belle journée. C'est superbe, on commence à avoir un bel été. On va en profiter à fond. On l'attendait, hein? En tout cas, moi, je l'attendais désespérément, là. Je suis très, très, très contente. C'est une température extraordinaire. On est tellement bien. Il fait tellement beau. Puis l'ambiance est fantastique. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Ça vaut la peine parce que c'est tellement beau ici, là. Regardez-moi cette belle nature. Directement sur le bord du lac. Directement de mon balcon. Sur le bord du lac. Fait que voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. On va se revoir demain pour un autre direct où je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais je vais choisir un sujet chaque jour. Donc, 86 sujets différents. Méchant défi. Envoyez-moi des idées, aidez-moi. De quoi est-ce que vous voulez que je vous parle? Vous savez c'est quoi mon domaine, vous savez c'est quoi mon travail. Je suis néo-sexopédienne, donc je suis en savoir-faire, en savoir-être sexuel. Je suis dans la reconnexion à soi, la reconnexion à ses sens, à vivre le plaisir des sens également. Vous avez des questions, vous avez des suggestions de sujets pour moi, allez-y, gênez-vous pas. J'ai pas réfléchi à rien, je vous avoue, là, j'ai décidé de faire ça comme ça. Fait que c'est ça. On va voir si je vais réussir mon défi. Mais défi lancé. Allons-y. Fait que bonne journée, puis j'envoie plein de bisous. Bye bye!